Rainy days may come and go, it splashes through the window, I can listen to the... Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous passez un bon dimanche. Nous, ça va très bien. Ce midi, on est parti manger chez ma maman. C'est ma mère qui garde Andrea parce que à partir de demain, on est sur le tournage des nouvelles vidéos Fitaya. Donc, on va être pas mal débordé. Donc, au moins, Andrea reste avec sa mamie. Et puis, au moins, ma mère profite et Robert aussi profite bien d'Andrea. Donc, c'est pour ça aussi que ce midi, on est allé manger chez elle. Puis, on en a profité aussi avec Maddy pour faire du tri dans nos affaires et regarder sur quoi je suis tombé. Sur plein de photos, j'ai une boîte souvenirs, je pense qu'on a tout ça. Et me dites pas que mon fils, c'est pas la même tête que moi quand j'étais petit. C'est pas abusé. Bon, il a de plus grosses joues que moi pour l'instant. Bien évidemment, là, j'étais beaucoup plus grand. Mais vous avez vu, j'avais les cheveux assez clairs quand j'étais jeune. Et je suis tombé sur plein de photos de quand je jouais au foot. Ça, c'était en tournant en Sibérie. Qui les a eu, les gars? Qui les a eu, celle-là? Celle-là, c'était pépite. F50, orange. Tu pouvais changer les crampons en dessous. Ça, croyez-moi, à l'époque, ça, c'est comme si j'avais des loup-boutins. C'est comme si je jouais avec des loup-boutins pour les footballeurs. Ça, c'était le feu. Bah, regardez quand je jouais à Bonneven, la coupe au bol. J'ai retrouvé même ma médaille de champion de France. Je la cherchais partout. Championnat national des 16 ans. 16 nationaux. Il y a une boîte là, écoutez-moi, il n'y a que des pépites à l'intérieur. Regardez la tête que je m'envoyais, tête de fashion. Là-dedans, il n'y a que des trucs collector. Bon les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, ça pourrait aller beaucoup mieux, dans le sens où, comme je vous l'ai dit hier, on a le tournage Fitaya sur une semaine. Et il a fait beau tout l'été. Et juste, quand on a décidé pour la première fois en 3 ans avec Fitaya de tourner en extérieur... Il pleut, il y a du vent, il fait froid, l'horreur. Voilà. Donc tout est remis un peu en question ce matin. Donc on va voir, on va essayer de trouver une solution. Mais en tout cas, on va pas lâcher et on va vous préparer des choses super sympas pour la rentrée les amis.